pratique organise des cours d'alphabétisation où une femme répète un texte syndical. Tu vois, au début, elle a l'air assez joyeuse de faire ce petit travail. Moi, je la trouve belle. Comme elle ne sait pas lire, elle est toute contente de participer à la lutte, même en faisant que répéter un texte. Mais au fur et à mesure de cette répétition, elle a l'air de plus en plus morose, embêtée. Elle a l'air d'avoir envie de retourner à des occupations dont on ne lui demande pas de parler, même si ces occupations ont à voir avec la répétition, le quotidien, les tâches du quotidien, à l'intérieur ou pas d'une révolution. L'automatisme s'installe, à force de répéter des mots dans un certain ordre qu'elle n'aurait sûrement pas dit comme ça. Mais qu'aurait-elle dit? Et comment? En tout cas, les syndicats ne se posent pas cette question. Les textes parlent, mais ne parlent jamais du silence. Dans le camp de Baka, pas loin d'Aman,